Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une petite vidéo du samedi, tout simplement. Quelques petits packs. Aujourd'hui, a mis en place pour le premier jour de Futmas. Ceux qui veulent plus de détails concernant Futmas, amis, j'ai fait une vidéo jeudi, donc jeudi. N'hésitez pas à checker, tout est bien détaillé et de très bons retours concernant cette vidéo. Donc franchement, merci à vous, ça fait très plaisir. Comme je vous dis, petite vidéo pack opening, il y a des packs à 100 000 crédits, il y en a deux, donc on va les ouvrir. J'ai que 5 650 points en FIFA, donc on peut ouvrir beaucoup, juste ce qu'il faut, tout simplement. Avant, je vais vous montrer un peu la nouvelle Team of the Week, qui est, correcte, mais décevante par rapport aux semaines précédentes. Tout simplement, il n'y a que 4 gros joueurs. Le premier, Angel Di Maria, version Sif. Voilà, on le connaît, un très bon... Nélier, il a fait 3 passes décisives ce week-end contre Lyon, je crois que c'est ça. Et aussi, bien sûr, Philippe Lam, mais ça, Philippe Lam, c'est très intéressant parce que c'est la première carte qu'il a au poste de latéral droit. De base, il est MDC. Et il y a bien sûr aussi Matt Hummels, voilà, qui a 90 en physique, 90 en défense, 80 en physique, du très lourd. Nous avons aussi Koulibaly, qui a une stat en défense, une stat de physique de malade pour un mec à 80 en général. Il a 88 de physique, imaginez-vous le truc. Il y a bien sûr Konoplyanka version Sif, il y a Anderson, il y a bien sûr Icardi, Chicharito, je crois que c'est Sol, c'est ça? Ouais, voilà. Nous avons aussi un petit joueur que je connais pas, Ayoub, que je connais pas du tout, mais qui a une carte assez intéressante pour AMC, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, au cage, nous avons Butland, un très jeune gardien anglais, et sur le bon touche, pas de gros joueurs, à part Charlie Tange, ancien joueur de Lens, pour ceux qui se rappellent, il y a quand même pas mal de temps. Il est né quand même en 82, donc il est vieux. Nous avons aussi Botteac, un petit français, Horn, Moussakio, Arthur. Si je dis pas de conneries, Arthur. Il me semble qu'il a perdu son fils quelques minutes avant le match, ou un truc dans le genre. Il a quand même joué. Mitrovic et bien sûr Perez. Voilà. Donc, on n'a pas une grosse Team of the Week, mais il y a un moyen de paquer du très lourd. Allez, c'est parti. On va chauffer un petit peu et quelques petits packs à 7500. Parce qu'il me faut juste 4000 points. Enfin, des packs à 15k, il me faut juste 4000 points. Point FIFA, point les packs à 100k, on ira les ouvrir aujourd'hui. Petite vidéo tranquille du samedi, premier pack dans cette période de Futmas et on obtient Didier Drogba. Ok, alors on va garder tout ce qui est contrat, carte forme, le reste, vous connaissez les bails, hein, ça m'intéresse pas. Donc on va discard, on va le garder, le reste on discard. Donc il faut bien se dire 4000 points FIFA, donc normalement je pourrais en ouvrir encore 3 après celui-ci et le compte sera bon, on ira ouvrir. Ces fameux packs à 100 000 crédits, Boussoufa. Ah non, Bouffal. Ok, deuxième joueur. Avec Mario Gomez, regardez les deux, tiens. Boetius. Il joue là maintenant. Il joue à balle. Il a une belle carte. Hein. Il était pas hors l'année passée, il me semble. Hein. Il a vraiment une très belle carte. Et 80 de technique à tester. En plus, c'est en D1 Suisse. Donc, il y a très peu de super bons joueurs en Suisse. Donc, une petite hybride, ça peut toujours être intéressante. 1000 crédits et Lucas Ocampos, monsieur le fake de Léo Messi. Allez, encore 3 packs à 15k, on ouvrira ces fameux packs à 5000 crédits, on veut du lourd. On veut taper un gros inform. On a eu du très lourd dans pack 2D1, mieux droit. William, William, ça c'est pas mal ça. Negredo, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder. Ouais, un petit William, bon c'est toujours intéressant. J'aurais pu le packer la semaine passée, enfin le week-end passé si vous voulez, parce qu'il y avait quand même sa carte TOTGS. Parce qu'il a quand même marqué 3 coups francs, je crois, dans la phase de poule de Ligue Champion. On ouvre encore l'avant-dernier pack. Et let's go après pour les packs à 100 000 crédits. Il est plutôt sympa le petit design, les amis. Mario Götze. Ça, c'est bon, ça. Après, bon, pas top au début, mais on a un petit Mario Götze. C'est toujours intéressant. Convé, généralement, allemand Munich. On peut espérer un Götze, un Müller. Mais c'est vrai que le petit latéral droit du Bayern Munich m'aurait franchement très intéressant. Le petit Philippe Lam. Allez, le dernier pack. Et après, les packs à 5000 crédits. Franchement, le design, hein, pour revenir sur le design, il est vraiment très sympathique. J'aime bien. En mode petit paquet cadeau. Otamendi. On a des super bons joueurs, dis donc. Hein. Pour le peu de packs à casque. À 15k que j'ai ouvert. Bah, écoutez, on n'est pas si mal. Beaucoup de joueurs marseillais. Ouais, c'est bien, mais bon. C'est pas ce qui m'intéresse. Allez les amis, c'est parti. Le premier pack à 100 000 crédits. Comme d'habitude, on pose toujours la manette. Toujours, c'est le rituel des packs à 100 000 crédits. Premier joueur, DC... D'accord, Mathieu. Jérémy Mathieu. D'accord, d'accord, Jérémy Mathieu. Paye ton pack en carton. Le reste, Diouf. Ramos, je vais le garder.
Ouais. Bon, encore un Marseillais, Michi, ça peut peut-être se vendre, Dickmeyer, Pérez aussi. Mais alors, le premier pack. Que dire sur la quenelle du premier pack, hein? Meilleur joueur, Mathieu. Encore, il serait une forme, ok? Allez, dernier pack, les amis. S'il vous plaît, donnez-moi du lourd. On pose toujours la manette. Le dernier pack à 100 000 crédits. MC allemand. Toni Kroos. Ça, c'est bon. 87 de général. Voilà, les amis. Enfin, gros joueur dans les packs à 100 000 crédits. Après, Mathieu, on chope du Toni Kroos. Matic, intéressant. Pas d'informe. Non, je ne pense pas. Pas de gros doublon. Non. Ah, bravo, Season. Ok. Alors, qu'est-ce qui va nous servir? Ah, Hugo, on va garder. Kostic, on va garder. Luke aussi. Le reste, je réfléchis en même temps. Non. Bon. Écoutez, on a pas mal de joueurs d'Inter, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. Ce qu'on veut, les amis, c'est très bien qui c'est. Il s'agit bien sûr de Mauro Icardi et en doublon, le petit bravo. Voilà. Et bien, écoutez, les amis, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous aura plu. On n'a pas paquet de joueurs extraordinaires, mais bon, un petit Kroos, un petit Otamendi et un petit Götze, c'est plutôt assez intéressant dans le très peu. De pack que j'ai ouvert. Voilà, les amis, passez une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!